Grégory Taramon à droite et Jean-Brice Wadriaco à gauche dans les cages, Steve Hiroé. Oui, pas de surprise par rapport à la composition de la semaine dernière comme l'aussi. Clifton Kamba avec Potapoma à la récupération, Johan Mercier, Roy Caillera dans l'axe de la charnière. Jordan Dinet à droite et Laurent Fouaili côté gauche avec Zico Poubali dans les cages, pas changement non plus. Certitude concernant Johan Mercier, il s'est testé à l'échauffement et a priori tout va bien. Il va bien que l'on connaît avec cette victoire en Coupe de France, de Calédonie l'année dernière. C'est un club de Nouméa mais il y a beaucoup de joueurs des îles avec des joueurs de marée comme Paul Roiné et puis les frères Wakanumune, enfin la famille Wakanumune. Et puis du côté de Coupe avec trois clubs différents, Gaïcha, Lossi et Magenta. On retrouve justement Pierre Wajoka, voilà, et quel but! Quel but de Pierre Wajoka, fantastique! Il a voulu centrer à mon avis. Je pense qu'il apprend. Il apprend de l'extérieur du pied. Oh là là, incroyable! Ce qui trompe Zico Poumali là, qui a avancé. Voilà, on va revoir le but de Pierre Wajoka, le numéro 10, qui vient de marquer un but absolument fantastique avec les fers, ouais, avec le vent. Petite erreur du gardien de but. Surpris par cette trajectoire. Il va se charger de la remise en jeu sous les yeux de son coach Félix Tagawa. Le centre de Boaili. Un duel et finalement la spécialisation. On a vu Bertrand Kay qui avait réussi à se défaire du marquage sur ce centre. Et c'est Miguel Gallara qui tentait de reprendre ce ballon là au niveau du point pénal. On trouve Chris Aïté sur le côté gauche. Avec un bon ballon pour Bertrand Kay, ouais, qui bon en passe ballon. Sur notre réparation, oui. Et le but, l'égalisation de Yengen. L'égalisation par Bertrand Kay. Cette affaire du pied de Bertrand Kay. Et vous le voyez, les supporters de Yengen qui explosent dans la tribune du Stade du Mamelé. Ils ont fait la route pour venir jusqu'à Nouméa supporter leur équipe en quête du 3ème Coupe de Calédonie. Et un petit peu contre le cours de jeu, il faut bien dire. Contre le cours du jeu, mais ça fait sur chaque ballon long. La charnière centrale de Magenta a eu un peu de mal, on l'a vu encore là. Tiens, voilà. Le ballon profondeur, il est passé à la position d'hors-jeu. La frappe en tentative et ça passe à côté. C'est ce que je disais tout à l'heure, on voit les joueurs alignés, la passe dans l'intervalle et ils sont pris. Côté gauche. Le ballon dans sa phase de réparation, le contrôle. C'est bon ballon. C'est Miguel Cayara qui va se charger de ce coup franc et vous le voyez dans les tribunes. Il y a de plus en plus de monde, hein, ça se remplit bien. Ouais, il y avait la queue dehors, je pense que ça rentre en fur et à mesure. Ouais, la terre de but sur ce coup franc. Ah non, 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 encore. De Gaillard, non. Ah non, il y a un jeu de signaler, je vois pas. Une minute sur un centre-tir, entre guillemets, qui a terminé sa course dans la lucarne et puis... L'égalisation au gardeur de jeu, Bertrand Kay, lancé en profondeur par Brice Daïté et qui fait un intérieur du pied croisé pour placer le ballon sous Steve Hiroé. Hein. Le bon contrôle, et il revient sur le de réparation, il est projeté. Il est sifflé dehors. Ah bon. Mais je pense qu'effectivement la faute est dehors. Je pense qu'effectivement la faute est dehors, on va le voir, mais bien ce qui m'a semblé. Exact. Bien, bien vu de la part de l'arbitre, très bien vu. Il est bien frappé, ça passe à côté de la cage. Oh, le pied de Bertrand Kay au centre, contre de la poitrine d'Anthony Kay. Il est bien décalé Miguel, Miguel Cayara. Ah, il s'est excentré. Ah, il s'entre en retrait. Il est pas... Paul Roiné. Qui passe son vis-à-vis. Avec un bon ballon profondeur. Oh, et le poteau de Kevin Nemia sur cet excellent ballon de Paul Roiné. Attention, le centre, c'est pas fini, un bon centre. Second poteau.
des actions, donc c'est ça que les gens ont envie de voir. Et on voit les joueurs qui rentrent au vestiaire, Joël Wakanumune qui passe à côté de cette Coupe de Calédonie. Il faudra s'arracher en deuxième période. Est-ce qu'il était 17ème si Yohan Merci ne pouvait pas jouer. Attention, bon ballon, très bon ballon. Ah, très bonne sortie aussi dans les pieds. Lecture du jeu du gardien impeccable. Sylvie Roé sur ce très bon ballon. Et ballon sur le côté droit du terrain. Oh là là, attention, elle est passée, c'est dangereux. Le centre pour Paul Rainé, c'est pas terminé. Avec Jean-Christophe Joga qui se met sur son pied droit, la frappe. Oui, bonne frappe. Et ça passe à côté. Ouais. On est sur phase de réparation. La bonne passe pour Paul Royné. Qui est arrivé peut-être un peu trop vite. Et puis derrière, Jean-Christophe Jotia qui tente la frappe, mais ça, le cadre se dérobe. Centre au premier poteau. Ouh là là. Hein. C'est parti de la sélection des U20. Dans les qualifications saliennes pour la Coupe du Monde. C'est que là, bon, c'est pas. Ils se prennent une faute, ils se prennent trop. Au deuxième, attention. Ça revient sur Cédric Sanson. Sauver une extrémiste par Adrien. Il grappe juste là. Oui. Bowling dans la surface de réparation. Une extrémiste. On revoit justement l'action. Avec ce ballon qui revient un petit peu en retrait, la frappe. Et c'est tourné du dos par Potter Poma. Elle est bonne. Au second poteau. Oh, il y a un coup de poteau, sa frappe. Il était signalé hors jeu. Pas de regret, il était signalé hors jeu. On s'est levé dans les tribunes pour essayer de voir ce qui se passait sur le terrain, de comprendre un petit peu. Il y a Miguel Caillard également. Miguel Caillard finalement, le ballon dans son phase de réparation, la tête. Dégagé de la tête, c'est pas terminé. On ce est deuxième ballon. Oh là là là. La frappe. Ouh là là, c'est pas de lui ça. De la frappe dessus, oui. Ouais. C'est pas de lui ça. Et bah, c'était bien vu, c'est bien repris. Voilà. Il reste 10 minutes avant la fin du match. Voilà, Cédric Sanson, le bon ballon en profondeur. Jean-Christophe Joca, la lutte. Oh, bel arrêt. Quel arrêtez arrêt. Quel arrêt. Arrêtez en deux temps. En deux temps par Zico Poumali. Quel arrêt. Et Jean-Christophe. Par contre, quel arrêt. En deux temps. On va revoir la frappe. Voilà. Et puis derrière, il se relève aussi vite.